Yo, bienvenue sur la chaîne des blocs. Alors aujourd'hui, je propose de faire notre propre crypto-monnaie. Ouais, je suis sérieux, notre propre crypto-monnaie. Alors on va voir en détail d'abord pourquoi cette crypto-monnaie et finalement qu'est-ce qu'elle va apporter. Alors on va commencer directement dans les détails avec Bitcoin, parce qu'avec Bitcoin, il est possible de lancer sa propre crypto-monnaie. Par exemple, c'est comme ça que s'est lancé Dogecoin. En fait, ce qu'il faut faire, et c'est pas très facile à faire, hein, faut être développeur en fait pour vraiment bien le faire, il faut carrément copier le code de Bitcoin pour lancer sa crypto-monnaie. Donc là, on est sur le code de Bitcoin. Eh bien, il faut le copier et modifier certaines valeurs en partie qu'on retrouve dans un fichier qui s'appelle chainparams.cpp et dans lesquels on peut modifier pas mal de paramètres qui sont liés au consensus, qui sont liés par exemple ici à la preuve de travail, ou même, et c'est là où ça nous permet de refaire notre crypto-monnaie, enfin d'en faire une nouvelle, de changer le Genesis Block. Le Genesis Block, c'est le premier bloc créé au sein du réseau. Donc en changeant le Genesis Block, typiquement, on part sur un nouveau réseau, hein, c'est ce qui se passe. Alors, on peut lancer notre crypto-monnaie à partir de Bitcoin, il n'y a pas de souci, mais il faut connaître la programmation et c'est pas si simple à faire que ça. Mais il y a un autre problème qui est de taille, et pour bien comprendre, il faut comprendre la topologie du réseau et on va en venir dans la seconde partie. Alors, pour Bitcoin, sa topologie de réseau, eh ben, c'est ses nœuds acteurs et ses mineurs. C'est ce qu'on appelle la topologie de réseau. Il faut voir ça comme des points qui sont reliés entre eux pour un réseau décentralisé. Lorsqu'on lance notre crypto-monnaie avec un nouveau consensus, avec ses nouvelles règles et son Genesis Block, eh bien, on perd la topologie de réseau de Bitcoin. Ce qui fait qu'on obtient une crypto-monnaie sans acteur au début. C'est-à-dire qu'il faut récupérer des acteurs par la communication et en gagnant la confiance des nouveaux acteurs qui pourraient participer à cette crypto-monnaie, à savoir la miner et être acteur tout simplement au réseau, c'est-à-dire redistribuer les transactions et ce genre de choses. La crypto-monnaie que je propose de faire, c'est de simplifier la création d'une nouvelle crypto-monnaie dans un premier temps et dans un second temps, conserver une topologie de réseau, c'est-à-dire qu'on lance notre crypto-monnaie sans perdre la topologie de réseau initiale à la crypto-monnaie. Pour prendre l'exemple de Bitcoin, ce serait comme lancer sa crypto-monnaie à partir de Bitcoin en gardant la topologie de réseau de Bitcoin, ou du moins partiellement. Alors, le projet, je l'ai appelé Educoin. Alors, pour le nom, on va venir après. D'ailleurs, je le dis maintenant, mais si tu as une idée de nom autre que Educoin, après ce que je vais évoquer par rapport à la crypto-monnaie, son objectif en partie, je t'invite vraiment à donner peut-être un nom que tu trouves intéressant à donner. Educoin, c'est pas forcément le dernier nom, c'est le nom que j'ai trouvé. Alors, on va d'abord commencer par un point important, c'est le langage. Alors, si tu n'es pas programmeur, ça va pas te parler, mais je vais quand même l'évoquer pour ceux qui sont programmeurs. Alors, le langage que je vais utiliser, ça va être Golang. Enfin, je dis ça va être. C'est Golang, en fait. Je suis déjà parti sur du Golang. Pourquoi Golang? Alors, Golang, si tu connais pas, donc c'est un langage qui a été initialisé par Google, enfin, par une équipe de Google, mais en réalité, c'est un langage open source. Eh bien, l'objectif de Golang, c'est de se baser sur C en étant plus simple à utiliser. Alors, Golang, on le voit là, c'est un langage de programmation compilé et concurrent. Donc, concurrent, c'est-à-dire qu'il gère très bien les threads, en fait. Il a une manière de gérer les threads assez intéressante avec les channels et les routines. Et donc, il est inspiré de C et de Pascal. Bon, C, je connais, mais Pascal, je connais moins. Et un autre point qui n'est pas évoqué dans ce début de Wikipédia, là, c'est le fait que Golang, il gère très, très bien les paquets TCP ou UDP, en fait. Il a vraiment une interface native pour faire de la gestion de réseau et du moins créer son protocole derrière en fait. Et vu que Bitcoin c'est un protocole, hein, eh ben, c'est très intéressant pour créer sa crypto-monnaie, je trouve. Et pour l'anecdote aussi, Golang c'est un langage qui a été créé pour cette raison et c'est réellement pour cette raison que ça a été créé. Donc là c'est Rob Pike qui dit ça, donc c'est l'un des créateurs de Golang. Il dit, ils ne sont pas capables de, en parlant des jeunes, ils ne sont pas capables de comprendre un langage brillant, mais nous voulons les amener à réaliser un bon programme, ainsi le langage que nous leur donnons doit être facile à comprendre et facile à adopter. Donc c'est assez marrant en fait, c'est comme s'ils disaient ouais bah c'est pour les gros nuls, ils comprennent pas C, alors on fait un langage comme C mais en plus simple. Mais en vrai c'est réussi en fait, et en termes de performance il est pas loin de C, je crois même qu'il est aussi bien que C. Et en termes d'utilisabilité, de syntaxe, il est très 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 simple à comprendre, ça c'est une réalité et ils ont très bien réussi de ce côté-là. Donc voilà, on part sur du Golang. Pour ces raisons-là que j'ai évoquées et d'autres raisons, mais on va pas étayer plus loin. Hein. Alors, rapidement,
Parce qu'après, il y a une deuxième partie pour savoir c'est quoi les enjeux de la topologie de réseau. Mais rapidement, qu'est-ce que c'est que ce projet de cette nouvelle crypto-monnaie, hein, typiquement? Quel est son objectif? Son objectif premier, je l'ai évoqué quand je parlais de Bitcoin, c'est de pouvoir faire une nouvelle crypto-monnaie, donc en d'autres termes, une nouvelle blockchain, sans perdre la topologie de réseau initiale, à savoir la topologie de réseau de Educoin. Alors, Educoin, c'est le nom, on peut dire temporaire, ça se trouve, il changera, mais pour l'instant, je vais l'appeler Educoin. Donc on peut aller au livre blanc, le lien sera en description, je t'invite à aller le voir pour avoir plus en détail ce que ça propose. Hein. Mais en gros, ce qui va se passer avec cette crypto-monnaie, donc ça sera une blockchain tout comme Bitcoin. D'ailleurs, ça va être essentiellement recopié sur Bitcoin, toute la manière dont est fait Bitcoin. Et le principe sera que cette blockchain aura un dictionnaire qui permet de, lorsqu'on lance sa crypto-monnaie, aller publier dans ce dictionnaire. Donc c'est vraiment un dictionnaire qui réside dans la blockchain. Vois ça comme un contrat intelligent par rapport à Ethereum. Un contrat intelligent, c'est un truc qui réside dans une blockchain, qui a été publié sur la blockchain. Et bien là, ce serait un système de dictionnaire qui est publié sur la blockchain. Ce qui fait que les acteurs du réseau Educoin, ils sont capables de savoir quelles crypto-monnaies ont été lancées à partir de Educoin. Donc du coup, ils seront capables d'être acteurs également dans ces nouvelles crypto-monnaies. Donc là, c'est vraiment l'apport de cette nouvelle crypto-monnaie. Maintenant, les objectifs par rapport au fait de faire une crypto-monnaie, c'est aussi un peu un objectif éducatif. Je compte faire des vidéos d'abord sûrement qui seront mensuelles, peut-être après bimensuelles et même hebdomadaires après si j'engage beaucoup plus de temps à faire évoluer cette crypto-monnaie. Personne ne connaît vraiment intégralement Bitcoin, comment il est composé, mais si on fait une crypto-monnaie qui se rebase beaucoup sur Bitcoin, eh bien on est forcément amené à très bien comprendre Bitcoin. Donc je le fais également pour ensuite faire des vidéos pour expliquer certaines choses liées à la crypto-monnaie. Et de l'expliquer en détail. C'est aussi un des points que je vais relever au fur et à mesure des vidéos lorsque le projet avancera. Et un autre objectif, donc comme j'ai dit, c'est une crypto-monnaie qui apporte une plus-value. Alors la plus-value, elle se situe dans deux endroits. Le premier endroit, c'est de pouvoir offrir un moyen aux gens de faire leur crypto-monnaie. C'est-à-dire, admettons, il y a une communauté qui veut lancer sa crypto-monnaie, et ben, elle n'a pas besoin d'appeler un technicien pour aller refaire un copier Bitcoin et modifier ses fameux paramètres pour lancer sa crypto-monnaie, ce qui est assez compliqué. Et en même temps, il a besoin de faire la com pour aller chercher une topologie de réseau. Donc quelqu'un qui veut faire une crypto-monnaie pour une communauté ou même un but un peu pour s'amuser, eh bien, ces personnes-là seront capables de le faire avec cette crypto-monnaie-là, parce que les choses seront beaucoup plus simplifiées, tout en gardant, encore une fois, la topologie de réseau. Ça, c'est important. Et l'autre point important, et pour moi c'est le plus important, et c'est de là que vient le nom Educoin, c'est pour la recherche. Alors moi j'aime beaucoup la recherche, je suis beaucoup les publications scientifiques dans divers domaines, et je trouve que la recherche fait un travail excellent qui font avancer beaucoup de choses, surtout en informatique. Et ce que la science n'a pas en général, c'est les moyens pour tester certaines choses. Et en l'occurrence, dans tout ce qui est réseau décentralisé, il n'existe pas vraiment de méthode de tester un programme sur un réseau décentralisé. Parce que simuler un réseau décentralisé, on en revient à la topologie de réseau, c'est quelque chose de très compliqué. C'est même un sujet d'étude actuel. Et bien avec cette crypto-monnaie, sachant que la crypto-monnaie, c'est émergent, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de l'intérêt déjà par l'utilisation, mais également du côté académique dans la recherche par rapport à la crypto-monnaie, et bien ce que la recherche aura besoin, ce sera certainement d'une sorte de laboratoire, d'un moyen de tester des nouveaux algorithmes de consensus par exemple, de pouvoir le tester dans une situation réelle, donc avec une vraie topologie de réseau. Et c'est là que ce système sera très intéressant pour la recherche. On peut lancer notre crypto-monnaie, qui a un but scientifique de recherche, on la lance, on bénéficie d'une topologie de réseau, celle de Educoin, et on fait nos tests, on voit si notre crypto-monnaie avec son algorithme de consensus opère comme on aimerait qu'elle opère en fait, par rapport à la recherche qui a été étayée en amont. Donc c'est vraiment la plus grosse plus-value pour moi, avec la plus-value que je trouve plus annexe, mais peut-être je me trompe, peut-être la plus grosse plus-value ce sera l'utilisation par les personnes pour les communautés, peut-être. Mais en tout cas, voilà les deux gros objectifs de cette nouvelle crypto-monnaie. Donc, tout ça, ça prendra pas mal de temps, ce sera beaucoup de vidéos pour parler un peu des problématiques et des solutions peut-être intéressantes, je verrai ce que j'évoquerai au fur et à mesure des vidéos par rapport à ce projet-là. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire pour contribuer, puisque le code, il n'y a pas vraiment de structure, il n'y a quasiment rien. Mais en tout cas, si tu t'intéresses à contribuer plus tard, si tu es programmeur forcément, je t'invite à mettre une petite étoile donc sur le GitHub, le lien sera en description,
et également à lancer le petit watch pour observer ce qui se passe. Alors je sais pas si tu recevras des mails, mais en tout cas tu recevras des notifications sur GitHub avec la petite cloche là. Et ça te permettra plus tard de le suivre et comme ça de voir un peu l'avancement. Genre quand tu vas sur GitHub, tu vois, tiens, il en est où, tu vas tomber dessus. C'est toujours cool. Mais voilà, plus tard, quand le squelette, quand la structure de base sera vraiment faite, je pense qu'il y aura moyen de contribuer pas mal au projet. Pour l'instant, comme je dis, il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà, c'était tout pour ce projet, mais c'est pas fini, puisque là, on va voir un peu sur le tableau ce que c'est que la topologie de réseau et de bien comprendre les enjeux d'un réseau décentralisé. Allez, on se retrouve au tableau. Alors voilà, nouveau contenu un peu particulier où je vais présenter des idées ou des concepts directement en dessinant sur le tableau. Je pense que c'est plus cool que des animations et pour moi ça me facilite un peu plus la vie, honnêtement. Alors là, je vais te parler de la topologie de réseau pour bien comprendre, cerner un peu déjà la logique qu'il y a derrière la topologie de réseau et les problématiques qui sont inhérentes à la topologie de réseau. Et du coup, Educoin propose de solutionner certaines problématiques intéressantes. Mais je vais y revenir vers la fin. Mais d'abord, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un réseau et comment ça marche un réseau. Ça va être très simple et très rapide. Alors on va d'abord évoquer le réseau centralisé que tu connais sûrement. Et je vais prendre l'exemple très simple de Facebook. Alors Facebook, donc là je vais écrire Facebook. Bon, j'écris pas forcément très bien. Alors Facebook, faut imaginer que il y a un serveur. Je vais pas faire un rond. Faut imaginer qu'il y a un serveur qui détient les règles de Facebook, en fait, le fonctionnement de Facebook. C'est le serveur de Facebook. C'est-à-dire que quand tu crées un compte, c'est ce truc-là qui va gérer la création de ton compte. Ça fait que tous les petits acteurs, donc ça, ce sont les utilisateurs plutôt, lorsqu'ils vont faire une création de compte, ça va directement aller chercher sur le serveur. Bon, dans la réalité, aujourd'hui, les réseaux, c'est beaucoup plus séparé sur la Terre avec différents serveurs, ce qu'on appelle des POP serveurs. Mais tout ça, c'est un peu, c'est différent, enfin, ça n'a un peu rien à voir, on ne va pas rentrer dans ce truc-là. Là, je parle bien du principe schématique du système centralisé. Donc Facebook, c'est ça, il y a un serveur qui va gérer les connexions. Et du coup, ça a l'avantage certain, c'est que c'est très très simple à gérer. C'est que toutes les règles inhérentes à Facebook sont gérées par Facebook. Du coup, il suffit juste de les coder et c'est très simple d'être sûr que le serveur va bien opérer. Lorsque je vais créer un compte, je vais être sûr qu'il va me créer mon compte. Par contre, bon, je suis moins sûr s'il va faire avec mes données, hein, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, en tout cas, on sait comment il va gérer les données, c'est très simple à développer. Par contre, lorsqu'il s'agit de réseaux décentralisés, donc là, je vais prendre l'exemple de Bitcoin. Alors, Bitcoin, c'est pas le seul réseau décentralisé, hein. Il existe plein d'autres choses qui est décentralisé, comme le torrent, comme, je sais pas, eDonkey, ce genre de choses. Ça, les choses décentralisées, il y en a plein d'autres, il n'y a pas que Bitcoin. Mais là, je vais prendre l'exemple de Bitcoin. Alors, pour Bitcoin, à la différence d'avoir un seul serveur qui s'occupe de gérer les choses, eh ben là, on a plusieurs serveurs. Et ces serveurs-là, ils sont connectés entre eux. Faire comme ça, voilà. Ces serveurs-là, ils sont connectés entre eux. Donc là, c'est différent. On voit que pour Facebook, on n'a qu'un serveur, mais pour Bitcoin, on a plein de serveurs. Et c'est là que, lorsqu'on parle de protocole Bitcoin, y a déjà un point d'intérêt. Protocole Bitcoin, en fait, c'est simplement pour expliquer qu'il y a un moyen de communication entre ces serveurs-là, pour qu'ils communiquent avec les mêmes règles, typiquement. Donc c'est là qu'on va parler de preuve de travail pour générer le consensus, mais également les règles de diffusion de la donnée, des transactions et ce genre de choses. Alors, on voit que pas tous les acteurs sont connectés. Cet acteur-là, on voit qu'il est connecté qu'avec cet acteur-là. En revanche, cet acteur-là, il est connecté avec tous les acteurs, lui également, sauf lui, etc. Ça, c'est un réseau décentralisé. Il existe également le réseau distribué où tous les acteurs sont connectés entre eux. C'est autre chose, c'est pas le cas de Bitcoin, on va parler que du décentralisé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la topologie de réseau. Ça, c'est une topologie de réseau. Donc, chaque serveur a une IP. Je vais pas écrire l'IP, ça prendrait trop de temps. Hein. Mais voilà, ils ont tous une petite IP. Donc IP, ça veut dire Internet Protocol. Hein. Mais quand je dis IP, je parle bien de l'adresse IP. Ils ont tous leur petite adresse machin, point machin, point machin, point machin. C'est des chiffres. Bref, c'est un identifiant au sein du réseau, disons. Et ça leur permet de communiquer entre eux. Hein. Lorsque lui veut communiquer vers lui, il communique via son adresse IP. Ça, c'est leur moyen pour communiquer. Comment un utilisateur va interagir avec ce réseau-là ? Comme on a vu ici, on réagit avec un seul serveur, le serveur de Facebook.
Et bien ici, c'est un peu différent, c'est qu'un utilisateur, on va le placer ici, lorsqu'il veut interagir, donc pour le code Bitcoin, lorsqu'il veut faire une transaction, il va publier sa transaction vers un premier acteur. Et là, ce qui va se passer, c'est assez intéressant, c'est que cet acteur, en fait, il va s'occuper de diffuser, on parle de diffusion, il va s'occuper de diffuser la transaction au sein du réseau de Bitcoin. C'est-à-dire qu'il va envoyer la transaction à tous les nœuds auxquels il est connecté, c'est-à-dire à ce nœud-là et à ce nœud-là. Ensuite, ces deux nœuds-là, ils vont faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont répliquer la transaction vers les autres nœuds auxquels ils sont connectés. Donc lui, pour lui, il va l'envoyer à celui-ci. Et là, bon, là, vu qu'ils sont connectés, ils ont déjà l'information. Donc là, bon, ils vont quand même l'envoyer, mais ça ne va pas faire grand-chose, parce qu'ils ont déjà l'info. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Ça fait qu'on envoie la transaction ici, et elle est diffusée au sein de tout le réseau. Ça fait que lui, il est au courant de la transaction, malgré que les deux ne soient pas connectés, évidemment. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si tu te poses des questions par rapport au mineur, qu'est-ce qui se passe ? En fait, lui, il pourrait très bien être mineur ou pas. Dans Bitcoin, il existe deux choses, c'est les mineurs et les acteurs, ce qu'on appelle les nœuds. Les nœuds, ce sont seulement des systèmes qui s'occupent de faire, par exemple, la diffusion des transactions. Donc, en l'occurrence, lui, par exemple, c'est pas un mineur, il s'est occupé de diffuser la transaction. Mais par contre, un mineur, il s'occupe de miner également un bloc, en fait. Hein. Par exemple, lui, il peut très bien être mineur et bah, du coup, miner un bloc. Tandis que lui, il peut ne pas être mineur. Il y a deux choses, en fait. Nœud, il diffuse seulement, et le mineur, il mine et diffuse également. Donc, le mineur, c'est une sorte d'acteur évolué qui s'occupe également d'entretenir le réseau. Voilà, alors ça, c'est notre topologie de réseau, et c'est comme ça qu'un utilisateur interagit avec un réseau décentralisé. Et maintenant, on va s'intéresser aux problématiques du réseau décentralisé, de la topologie de réseau, lorsqu'elle est modifiée. Et en l'occurrence, on va prendre l'exemple de qu'est-ce qui se passe si on détruit ce nœud-là. Enfin, si on détruit, on ne va pas le détruire non plus. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe si lui, il devient déconnecté ? Et bien là, c'est un peu délicat, parce qu'on peut voir que si lui, il est déconnecté, il existe encore ces deux nœuds-là. Donc ces deux nœuds-là, on voit qu'ils sont encore connectés. Ça fait que là, c'est supprimé, c'est supprimé, c'est supprimé. On voit que ces deux nœuds-là, ils sont encore connectés. Donc notre topologie de réseau, maintenant, elle se définit dans ce cadre ici. Ça fait qu'on perd un acteur. Et c'est là c'est une des problématiques, c'est qu'on perd un acteur dans cette situation-là. Et du coup, il faut que la topologie de réseau se rééquilibre, enfin se refasse en fait. Et donc ça, c'est automatique, c'est géré par le système Bitcoin, évidemment. Ça fait qu'on va refaire une recherche de réseau, c'est-à-dire que ce nœud-là, il va devoir refaire une nouvelle recherche de réseau pour ensuite se connecter avec un nouveau nœud proche, c'est-à-dire qu'il va se connecter avec lui par exemple. Et du coup, ça fait qu'il se retrouve connecté, éventuellement il pourrait même se reconnecter avec lui, hein. Il y a pas de... Et du coup, ça fait que la topologie de réseau a s'est modifiée, ça fait que maintenant elle est dans ce cadre-là. Donc la topologie de réseau, elle a été modifiée. Et ça, lorsque on est dans un petit réseau, c'est assez facile à schématiser. Mais dans un gros réseau, eh ben, ça prend du temps, en fait. Hein. Si on imaginait des millions de millions d'acteurs, enfin des milliers de milliers d'acteurs, eh ben, ça prendrait pas mal de temps, en fait, de reformer cette topologie de réseau. C'est l'une des problématiques. Il y en a une autre de problématique, je vais la passer assez vite sur celle-là, c'est lorsque on met à jour Bitcoin. Et c'est pour ça que mettre à jour Bitcoin, c'est plutôt difficile. Ça vient du fait que ce soit un réseau décentralisé et les choses ne se font pas si facilement que ça. Lorsqu'on met à jour Bitcoin, il faut que tous les acteurs également fassent la mise à jour. Et c'est pour ça que ça prend du temps et qu'il faut s'assurer que le maximum d'acteurs va faire la mise à jour. C'est pour ça qu'on fait le fameux système de BIP, de Bitcoin Improvement Proposal. Donc c'est un acronyme qui permet de faire en sorte de dire aux acteurs, avant d'intégrer une version, de leur proposer, de notifier si eux, ils souhaitent intégrer la nouvelle version. Et si on voit qu'il n'y a pas assez d'acteurs qui veulent l'intégrer, on refuse la nouvelle version, parce que ça va vraiment trop détruire le réseau, ça va le dégrader s'il y a trop de monde qui refuse. Et du coup, on s'assure qu'un maximum d'acteurs l'acceptent pour que ensuite, une fois que c'est accepté, qu'on perd un minimum de nœuds. Si on prenait l'exemple, lui, il accepte. Je vais prendre le vert. Admettons, il y a une nouvelle version. Lui, il accepte la nouvelle. Lui, il accepte la nouvelle. Par contre, lui, il refuse. On va mettre une croix. Lui, il refuse. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on fait la mise à jour, qui est la nouvelle version, on va perdre cet acteur-là. On remodifie à nouveau la topologie de réseau. Donc à nouveau, ça reprend du temps. C'est pour ça que mettre à jour, c'est un peu long et c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu délicat. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Donc voilà, ça c'est quelques problématiques par rapport au réseau décentralisé. Et
On va venir maintenant sur, on va revenir sur Educoin, ce que j'ai évoqué, et finalement, qu'est-ce que Educoin propose. Educoin, comme j'ai évoqué, c'est comme Bitcoin, en fait, ça va être également décentralisé, évidemment, c'est une crypto-monnaie, c'est forcément décentralisé, sinon, c'est pas drôle, avec les nœuds partiellement connectés, on va connecter comme ça. Alors, Educoin, ce que ça va proposer, donc comme j'ai dit, ça va être plutôt recopié sur Bitcoin en partie, c'est-à-dire que ça va reprendre énormément de choses de Bitcoin. Au niveau de la structure, ça va être ressemblant, enfin du moins du protocole. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à Educoin? Ça va être surtout lorsqu'on va créer une nouvelle crypto-monnaie. Alors, je n'avais pas expliqué tout à l'heure, mais si on crée une nouvelle crypto-monnaie à partir de Bitcoin, ce qui va se passer, on n'aura plus la topologie de réseau de Bitcoin. Ça fait que, admettons ça c'était Bitcoin, hein, ça fait que toute cette topologie-là, si je faisais ma crypto-monnaie que je recopie sur Bitcoin, eh ben, je perdais quand même la topologie, hein. Je ne vais pas bénéficier de la topologie de Bitcoin. Ça fait que j'ai plus d'acteurs et qu'il faut que je fasse ma communication pour que j'ai des acteurs qui s'intéressent à ma crypto-monnaie et qui soient actifs sur cette crypto-monnaie. C'est assez chiant. Alors, Educoin, en fait, ce que ça va proposer de faire sa crypto-monnaie en étant basé sur Educoin. Alors, donc déjà, il y a la crypto-monnaie Educoin. On va lui trouver un logo, voilà, ça va être ça son logo pour Educoin. Ça fait que tous les acteurs là, ils sont basés sur Educoin. Il n'y a pas de souci. Quand je dis basé sur Educoin, je parle du protocole. Ils sont sur le protocole Educoin. Maintenant, quelqu'un qui lance sa nouvelle crypto-monnaie, ça ne va pas faire comme Bitcoin. Il ne va pas devoir recopier le code de Educoin pour lancer sa nouvelle crypto-monnaie et refaire une topologie de réseau. Ce qui va se passer, il va rester sur le protocole de Educoin, il va publier sa nouvelle crypto-monnaie au sein du protocole Educoin, et Educoin va recenser la nouvelle monnaie. Alors, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais on va par exemple prendre cet exemple-là. Un haut barré, on va dire c'est une nouvelle crypto-monnaie. Par exemple, ta crypto-monnaie que tu as envie de lancer. Et ben, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que cette nouvelle crypto-monnaie, elle va être publiée au sein du réseau. Alors toi, tu es l'acteur, tu crées ta nouvelle crypto-monnaie et tu l'envoies comme une transaction, tu l'envoies au sein de ton réseau. Ça fait que lui, il va recevoir la nouvelle crypto-monnaie, il va la diffuser au sein du réseau, évidemment. Comme j'ai expliqué, hein, les nœuds ils diffusent ensuite les transactions qu'ils reçoivent. Et une fois que c'est diffusé, chaque acteur a recensé la nouvelle crypto-monnaie. Et maintenant, ils ont le choix, parce qu'on ne va pas les forcer non plus à être acteurs sur la nouvelle crypto-monnaie, s'ils ne veulent pas, ils ne le seront pas, mais ils ont le choix d'être acteurs sur la crypto-monnaie par défaut, peut-être qu'ils le seront par défaut, ça sera à voir comment ça sera configuré, mais voilà, ils peuvent être acteurs pour la nouvelle crypto-monnaie, et même mineurs pour la nouvelle crypto-monnaie, et s'ils ne veulent pas, eh ben, on garde une sorte de topologie, et si tout le monde le veut, ben, on garde la topologie-là, mais on va prendre le cas où y en a qui ne veulent pas, ça fait qu'on, admettons, on garde cette topologie-là. On va dire que lui, il refuse, et ben on garde cette topologie-là. Donc, on garde quand même une partie de la topologie, même si tous les acteurs ne l'acceptent pas. Ce qui est quand même une très bonne chose. Imaginons maintenant, il y a un laboratoire qui veut expérimenter un nouveau algorithme de consensus, et il ne peut pas simuler un réseau décentralisé. Comme j'ai expliqué, c'est une vraie problématique. Et ben là, il va sur Educoin, il crée sa crypto-monnaie, il la publie sur le protocole Educoin, et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être diffusé au réseau, et boum, il a une topologie de réseau déjà acquise, et déjà, on va dire, qui appartient au monde réel, une topologie du monde réel et pas simulée. Il n'y a rien de mieux pour faire du benchmark et pour faire un crash test, en fait, d'un nouveau protocole de consensus, par exemple, pour de la recherche. Voilà, c'était à peu près tout. Je pense que j'ai bien résumé la problématique de la topologie de réseau et de l'intérêt qu'aurait Educoin pour cette problématique-là. Donc, c'est une problématique plutôt d'avenir, parce que pour l'instant, l'académie s'intéresse pas tant que ça à la crypto-monnaie, mais je suis persuadé que ça va venir, puisque la crypto-monnaie prend du terrain, et clairement, ça va venir dans l'académie. Enfin, en fait, en vrai, c'est déjà venu dans l'académie, hein, le MIT, sûrement Stanford, ils font déjà des études sur la crypto-monnaie. Hein. Je sais qu'il y a déjà eu des études pour faire du peer review sur la technique de hachage de IOTA, par exemple, qui est une crypto-monnaie. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va venir, donc c'est vraiment une crypto-monnaie d'avenir. Et également, j'aimerais ajouter que je pense, j'ai pas trop regardé, mais je pense que ça reprend un peu l'idée de Stratis, qui est une technologie, mais surtout une entreprise en fait, qui propose de faire une sorte de blockchain sur le cloud. Et je me demande si c'est pas un peu ressemblant à Stratis en vrai, la proposition que je veux faire. Sachant que moi, Educoin, ce sera pas une entreprise, hein, ce sera un projet open source au même titre que Bitcoin, c'est-à-dire un projet sans tête, sans leader, sans, il n'y a pas d'entreprise qui gère ce truc.
J'espère que c'était compréhensible. Dis-moi si c'est plus intéressant sur tableau plutôt que des animations. Moi, personnellement, je trouve ça plus cool et plus aisé à faire. Peut-être même plus intéressant ou je sais pas. Bon, je te laisse me dire. En tout cas, je vais faire des vidéos pour parler de l'avancement du projet. Au début, ce sera sûrement mensuel, après bimensuel et sûrement hebdomadaire vers la fin, si à un moment je m'y consacre vraiment beaucoup dessus. En attendant, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit like et à partager ton point de vue et surtout à me dire si tu as une autre idée de nom. Si tu trouves Educoin intéressant comme nom ou si tu verrais un autre nom, n'hésite pas à le proposer, je verrai. Moi, pour l'instant, j'ai eu comme idée Educoin. C'est très simple à dire, c'est très simple à écrire, c'est court. Moi, je trouve ça parfait. Merci d'avoir regardé et je te dis à dans de nouveaux blocs.